Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour vous proposer de découvrir le dernier Season Sebdo de cette saison. Après la programmation des deux derniers best-of de cette période hivernale, je suis ravi de vous retrouver pour vous proposer de découvrir un moment que vous attendez tous, le bêtisier 2015. Entre des crises de fou rire, des moments mémorables, des bafouillages, nous allons en tout cas tout au long de cette émission vous faire vivre en quelque sorte les coulisses de Season Sebdo. Alors profitez-en bien et on se retrouve juste après l'émission. Essaye de la pousser d'abord. Merde. Pousse d'abord la soie. Sans pour autant prendre du mouillé. Ouais. Ah putain. Ça fait rien. Non. Ouf. C'est la branche qui t'a gêné là. Là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je me suis pris la bouche en pleine. Là, je vais te laisser faire Noël parce qu'à un moment. C'est un peu ça aussi le métier de David Chaignon, c'est d'être un peu guide de pêche, de lui annoncer les poissons qu'il ne peut pas voir. C'est un peu de ma responsabilité. Aujourd'hui, je me sens un peu comme le guide, c'est-à-dire que moi, je ne pêche pas. Et je lui dis, tiens, il y a un poisson qui vient de monter là, tout ça. Faudrait que tu pêches un petit peu plus aval. Vous me faites rire, mais reste là, qui dit Thomas, derrière la caméra. Mais Noël, il a peur. Voilà, accélère-la un peu, c'est les cannes nerveuses. Voilà, ah merde. Pardon. Sapin, il est mort. Ah bah oui. Il est pris. Il s'est fait. Ah, je me suis pris tout seul. Oh le con. Oh la vache. La plus grosse truite des Pyrénées. C'est bon. Ah, c'est bien aussi la pêche au lancer. J'ai côtoyé les plus grands pêcheurs à la mouche. Ben c'est ce qu'il faut, c'est regarde, comme ça qu'on apprend. Regarde déjà la tenue. Regarde. La nymphe, c'est comme ça. C'est une main sur les. Ta main gauche vient surtout se mettre à l'arrière de la hanche. Et là, elle attaque. C'est vidéo gag. Quand même, hein. Hop, j'en ai un. Ça y est. Oh voilà. Oh, décroché. Mais voilà, vous êtes pas prêts, vous ne croyez pas. No command. Oh, les cons. Toi, avec tes bottes, ça va aller? J'ai les pieds trempés. Je comprends mieux pourquoi il a pris des bottes. Il va pas tomber dans l'eau. Oh, bah putain. Mets le pied sur le caillou plat, là. Et pas celui-là. Oh, la vache. Ah, bah là, j'ai les pieds trempés. Je suis trempé. Oh, la gueule. Wow. Ah bah là j'ai pas les bottes en caoutchouc. Ah, ça tombe bien. J'avais besoin de bois pour faire du feu ce soir. Il va cailler un peu. Fais du bois pour l'hiver. Ouais ouais. Et là, l'émission qui ne dure pas très longtemps. Chaignon par terre. Alors je compte sur vous, on se retrouve bien sûr demain soir à 19h30 dans les Pyro. Puis nous partirons côté pêche et c'est sur le lac de barrage de Port-les-Orgues que nous partirons en compagnie de Bord-les-Orgues. Puis nous partirons côté pêche puisque c'est sur le barrage de Port-les-Bord. Puis nous passerons côté pêche, nous vous emmènerons sur le barrage de Bord-les-Borgues. Bord-les-Orgues. Allez. Allez, première partie de sommaire. T'es prêt? Ah bah il va encore essayer d'attraper une fameuse belle truite justement de la Corrèze. Nous on va le regarder encore quelques instants. C'est la faire creuse. Quelques... Merde, putain de rivière de merde. Merde! Putain, mais elle est bonne, tu m'emmerdes là. T'es pas en Corrèze, t'es en Creuse. Ah, non mais toi t'as raison, non mais là celle d'avant elle est bien. Oh putain. Sans déconner, tout ça pour te défendre. T'es pas bon, t'es pas bon. Attends, il y a des soirs avec et il y a des soirs sans. Hein? Non, mais on peut pas avoir l'image. Allez. Oh, merde. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, la gueule. C'est comment ton prénom Charles, déjà? Charles. Charles. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Charles, tu nous en fais des belles. Hein? Allez, allez, la gueule à Charles Vallée. Non, merci. Charles qui est derrière la caméra me dit surtout pense au multitirage. Il en a tellement pris, mais sans moi, que lui il connaît bien le truc quoi. C'est tac tac tac.
On va le piquer bien droit. Voilà. Et là, poisson, poisson, ah, poisson, Charles. Oh putain, putain, merde. Hop, hop, hop. Poisson, 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 poisson. Hop, allez, 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 derrière, allez, allez. Oh là, il est derrière, il est derrière. Oh putain, on n'a pas de cul. On n'a pas de cul. Allez, allez chercher bonheur. Hein. On n'a pas de cul, quoi. Je l'ai vu juste derrière. Si on achète ces 20 balles, oh, poisson, on ouvre. Oh putain, oh, non. Regarde là. Oh putain. Remets, remets, remets. Oh putain. Remets. Merde. Putain. Oh, il est venu le prendre là. L'eau est tellement claire, mais... Oh, je suis fou. Oh, pull. Je l'avais vu en plus, tu sais, c'est ça que j'avais vu juste avant. Oh, il a pas pris, il a fait une merdasse, là. Oh, le merdasse. Putain, shit. Oh, c'était trop beau, ça. Oh, t'es... il a encore nul, encore nul. Il a, pas... il a l'impression qu'il monte bien. Il est nul. Hein? Il est inquiet là. Et là, il se met la pression. Là. Il siffle. T'as vu, il siffle tout seul. Comment? Comment? Il est malade. Ça, il est malade. On t'avait dit de l'attacher. Allez, sans plus darder. On part dans le département du Lot-et-Garonne. On va y retrouver la famille Estève, Yannick et Adrien. On va les chasser dans la palombière. On va d'abord faire poser les oiseaux avant de tenter de les tirer. Aurélien. On part à la rencontre de la famille Estève, de Yannick et d'Adrien. On va... Mais j'en sais rien, moi, pourquoi il s'appelle pas Adrien, sans déconner. On va partir à la rencontre de la famille Estève, de Yannick et d'Adrien. C'est comment? Ah, c'est comment? J'en sais rien. Comment il s'appelle, merde? Aurélien. 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 On va partir à la rencontre de la famille Estève, de Yannick et d'Aurélien. Regardez-le se marrer. Regardez. Allez. Allez, mais pour débuter, on vous emmène dans le département du Lot-et-Garonne. On va y retrouver la famille Estève, Adrien et Yannick. C'est Adrien? Non! Mais c'est Aurélien! Aurélien, Aurélien, Aurélien! Je me casse! Allez, mais pour débuter, nous partons en direction des palombières du Lot-et-Garonne. On va y retrouver la famille Estève, Adrien et Yannick. On va tout d'abord tenter de faire poser les oiseaux avant de les tenter au fusil. C'est Aurélien. Non, c'est bah, attends, pour commencer, on prend la direction du Lot-et-Garonne. On va y retrouver la famille Estève, Adrien et Yannick. On va tenter cette fois-ci. C'est Aurélien. Ouais, mais là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On va se retrouver dans la palombière avec la famille Estève, Yannick et Adrien. C'est Aurélien. Il me fait rire toute la semaine, Chevelli, il me fait marrer, mais attends, mais c'est Aurélien. Je le vois au petit déjeuner, il me fait rire déjà. C'est Aurélien. Aurélien. Juste pour... J'ai inversé les pistes, en fait. David est sur la piste 2 ce matin. Voilà. C'est pas grave, je le laisse comme ça. Il danse sur la piste. Je danse sur la piste. Deux. Est-ce que vous pouvez prendre le caméraman avec sa ceinture aussi? Il y a un plan, s'il te plaît. Allez, fais-toi un plan. Attends, regarde. Regardez la gueule qu'il a. 8 jours à l'Extrémadour. En Extrémadour. Je suis fatigué. La gueule qu'il a. C'était le 12 anniversaire. Ouais. Il y a une semaine sur l'anniversaire, personne. Jeune non sexué. On peut te la mettre, la bague. Attends. Jeune non sexué. On va te mettre la bague à toi, t'es tiré. C'est marqué dessus. C'était ton anniversaire. On t'a offert une bague. Il y a la piscine. Merci de m'avoir volé. T'es con. Allez. Oh putain. Moi je m'en fous, j'ai vu qu'il faisait beau, j'ai téléphoné, j'ai dit chez moi il fait un temps de merde. J'aurais dit on commence la veille. Comme ça j'ai l'impression d'être en vacances.
À Bordeaux, il fait 16 degrés. Chez moi, il fait 10. Ici, il fait 25. Ah oui. Ça fait deux jours que je leur ai dit que j'arrivais pour... Ils m'ont dit, il n'y a pas de silure, tu vas faire mine. Alors là, on est en présence d'oiseaux avec nous. Un goéland qui est juste là. Justement, il y a un proverbe en Bretagne qui dit « Quand le goéland se gratte le gland, c'est signe de mauvais temps. Et quand il se gratte le cul, c'est qu'il ne fera pas beau non plus. » C'est fin. C'est fin. Ah, fallait que je la sorte. Hein, monsieur Pilon. Yvan. Je suis content de ma connerie. C'est des trucs de malade. On est le 20 juillet. Je vais pas dire, ça fait deux tournages que je fais avec toi. C'est vrai. Deux tournages qui fait exactement toujours le même temps. Avec Cédric, on se cachait derrière la voiture tellement il pleuvait la dernière fois. Quel temps de merde. Ça fait deux jours qu'il pleut. Et du soleil, 10 minutes, il a mis ses lunettes au pied du ratin. Et depuis, il fait un temps de merde. Alors, il y a du poisson, mais qu'est-ce qu'il fait comme temps de merde. Ils vont en avoir marre, les Bretons, que je dise qu'il fait pas beau chez eux, mais en même temps, je m'en pose, tu veux, quoi. Tant, en 4 ans, il faut changer deux fois de pantalon par jour. Enfin, là, à mon avis, j'ai chopé les États-Unis, là. Oh, putain. Je sais pas comment ils sortent. Mets-toi à quatre pattes. Chiche. Là, ce matin, nous avons le plaisir de vous emmener faire un petit tour à la pêche. J'ai quitté ma petite Belgique natale pour retrouver les bords du Finistère. Je vous emmène en direction de l'île de Ouessant, île bien connue du monde des voileux, mais aujourd'hui nous allons aller entre la jument et ce que nous appelons ici le Keiler. Le Keiler, c'est ça? Non, le Keiler qui est une zone bien connue des pêcheurs de bar. Eh bien nous partons de ce pas sans plus tarder. C'est parti! On y va les amis. Quand je pêche le silure, ça me rappelle toujours « Quand te reverrai-je, pays merveilleux !» Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera. Toute ma vie sera pareille à ce matin. Et tu danses de le refrain qui te plaît. Et tu tapes. C'est ta façon de t'entraîne jusqu'au bout de la nuit, réveillant-toi d'un vent de folie. Aux couleurs de l'été indien, on ira où tu voudras conduire. Que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? Avec Monsieur Plane, de faire une bredouille, ça peut pas arriver. Un lézard et quelques mouflons, la lilala, quelques perdreaux, dans le milieu de la montagne. C'était les corons. Ça va, les mineurs de fond. Allez, il me reste encore quelques virages, et de prendre encore un petit peu d'altitude, arriver... Merde. Allez, il me reste encore quelques virages et de prendre encore un petit peu d'altitude, arriver d'avant. Merde, c'est à l'envers. Il me reste encore quelques kilomètres à arriver d'un... Il me reste encore quelques... Attends. Puisqu'en cette période hivernale, nous irons vous en... Non, mais j'arrive parce que je veux dire tenter, mais tu veux pas que je leur dise. Non. Donc, il veut, donc voilà. Dire. Là, je l'ai pas redit, hein, je l'ai dit qu'une fois. Et puis les pêcheurs ne seront pas en reste cette semaine, puisqu'en cette période hivernale, nous tenterons notre chance. Non. Un écureuil. J'en ai vu un écureuil l'autre fois. Je croyais que l'hiver, moi, ils se mettaient en hibernation. Ah non, pas l'écureuil. Bah pas l'écureuil. C'est les ours. Oh la vache. Alors d'abord, un déménage de chien.
Monsieur David, David Chéniaud. La dernière fois que j'ai mis. Non, arrête, abandonne. La dernière fois que j'ai mis, et on a pété le, vous savez, le tuyau pour amener le liquide de frein. J'ai pas trop confiance, je sais pas pourquoi. Salon. Quel amour. Arrête. J'ai pas confiance, je sais pas pourquoi. Mais attends. Ah, j'adore la neige. Salon. Je suis capable de tirer. Quel enfoiré. Oh putain, attaque, j'arrive. Ah, c'est facile ça. J'en ai rentré plein. Non mais c'est super agréable de chasser dans un cadre comme ça. Puis la chasse en montagne, c'est une chasse spécifique. Il faut être un peu, avoir un peu d'endurance, une condition physique minimum, des vêtements techniques si on a froid. Donc tout ça. Je l'ai. Tu veux faire quoi comme boulot? Moi je sais pas encore, mais quelque chose en rapport avec la nature. Ouais. Voilà. Quelque chose de la nature. Et du coup, comme je dois faire un stage de 3e, je me demandais si c'était possible de le faire avec toi ou pas. Pardon. Je me méfie de la concurrence quand même, parce que tous ces petits machins-là, là, ça continue. Hein. Tu vois, alors d'abord ils pêchent, machin, et puis après ils me piquent mon boulot, quoi, tu vois. Donc à un moment, c'est bon, quoi. Et c'est en compagnie de Christophe et de JB. Stéphane, ça va être mieux. Mais c'est tout le monde va m'appeler Christophe. Hein? Je sais pas pourquoi. Ça m'arrive. T'es pas le premier. Ouais, c'est marrant. Ou encore, vous le verrez, avec monsieur. Ça va être dur. Nous allons donc partir à la rencontre de Pierre. L'occasion pour nous de partir à la rencontre de Paul Deroual, président de la société de Venry. De... Pierre, merde, putain, faut pas que j'aille. Faut... Ouais. Nous allons donc tout au long de cette émission partir à la rencontre de Paul Deroual, président de Pierre, merde. Alors je vais vous dire, c'est pas me taper du pied. D'accord. Parce que sinon, on va l'entendre. Bah, je fais ce que je peux, hein. C'est parce que. Non, mais c'est sinon. Il me plaît assez ton analyste. Je lui fais du pied, il me dit si tu veux bien, tu me tapes pas du pied. Je fais ce que je peux, vous ne regardez pas. C'est le moment ou jamais où je lui dis, putain, gars, ouais, tu me chauffes. Bon, président, un grand, grand merci à vous. Nous, on va continuer notre. Je suis mort de rire, qu'est-ce que je dis là? On y va? En tous les cas, président, un grand merci à vous. Et puis, eh bien, nous, on va continuer. Notre petit bonhomme de chemin. Fais la danse des canards qui, en sortant de la mare, secouent le bas des reins et font coin coin. Donc, un petit communiqué spécial. Nous nous trouvons sur le mont Caroux. Donc, si vous les avez perdus, entre le 9 et le 10 octobre, sachez que je les ai retrouvés. Et sachez que je peux chanter avec. Comment c'est? Qu'est-ce qu'il chantait, Paul Naref? Ça va, Paul Naref? Ah oui, je pouvais pas m'empêcher de le faire. Regardez-le, il est là. Regardez-le. Goodbye, Marilou. C'est une poupée qui fait non. On dirait Manon Mission, ce qu'elle rappelle, c'est Manon, elle faisait pareil, chien. Bon, là, on dirait la soupe aux choux. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Pas besoin d'impôts. On a Kevin avec nous. Refais-le. Vendeur d'impôts, c'est fini. Ils vendront plus un impôt. Les Américains, vous êtes tous battus. On a Kevin avec nous. Ah, je suis pas fatigué, hein, je te le dis. Mais je suis à la ramasse. Là, je viens de prendre un mauvais tac sur un clapier, là. Ouais. Ah, je suis là, je suis explosé. On n'a pas eu de quoi comme on a eu David. Ouais. Non, c'est... Quoi, ça va pas? Ah bah non, ça va pas du tout. Non. Tu comprends? Ah bah, je suis à la ramasse totale. Eh, je suis bien en vrac. Ah ouais, je suis... Ah non, mais je suis ouvert. Merde, putain. Ah, fais chier, tiens.
où nous y retrouverons. Oh, je vais plus y arriver, putain. Pour une chasse du chevreuil à la plage, où, ah putain, où nous avions eu besoin de faire appel, eh bien, à... Bah oh, putain. Quoi, mes couilles. Allez. Pour cette 34e édition, nous irons à la rencontre des équipages de la meute Beuvron. Pardon. Tu peux être sûr que je vais pas le redire une deuxième fois. Allez. Allez. Voilà. Tout à l'heure, putain, j'avais un truc d'enfer, là, je l'ai perdu. Oh, j'arrive pas à le dire. C'est bon. Fin de tournage, hein, bientôt. Hein. Ça va tenir. Merde. Non. Noël qui nous propose une pêche, vous le verrez, dans les gorges de Carlabit. Dans les gorges de Clarabit, ça sera aussi... Non, Clarabit... Ce qu'il prend pas faire pour rentrer en hélicoptère. C'est la première fois que je me blesse comme non. ça. Mais en faisant mon lacet. Je faisais mon lacet, je recule, boum. Ah, pitié dans ce métier-là, faut pas se faire remplacer. Pas qu'il pourrait te piquer ta place. Donc il faut y aller au boulot. C'est moi qui l'ai poussé. Il veut me piquer mon boulot, l'autre il me pousse. Il a pris, il a pris, il a pris. C'est bon, c'est bon. Il a pris, il a pris. C'est bon. C'est bon. C'est bon, yes. C'est bon. Yes. Ouh. Ça va, t'es content? C'est mon plus gros sanglier, mon petit. Quel fier champion du monde! Oh putain, mon Jean-Luc! Premier isard? Mon premier isard! Ah, c'est pas les chasses du chat, moi, ça! Oh là là. C'est ça, ça, c'est les coulisses aussi, c'est ce que vous voyez pas, je travaille. C'est-à-dire que, comme le monsieur qui est derrière la caméra est vieux, qu'il a du matériel. Oh putain, c'est pour ça qu'il faut le préparer avant, parce qu'il est gelé le truc. Faire l'approche. Voyons, ça sent le cerf à plein nez, les gars. Oui, bien voir le à passage, mon avis, là. Ils ont dormi par là. Eh bien, ce soir, si vous voulez sentir le désiré Zamo, 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 ça pue le Zamo ici. Tiens, écoute, écoute, tu l'entends celui-là? Tu l'entends pas là? Non. Si tu es là. Là. Encore, tu l'entends pas? Vous foutez de moi. Ben non. C'est vrai. Là. Oli. Nicolas. Ça c'est énorme. Vous l'entendez? Ça c'est bon quand même. Ça c'est du direct, ça c'est du live. Et moi j'entends toujours pas le CR. Oh, pop, pop, pop. Yes. Pop, pop, pop. Ah. Yes, pop, pop, yes. Viens par là! Je vais t'aider! Épuisette, les gars, épuisette! Fais gaffe, t'es bon, t'as coupé le micro? Non, hop, 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 hop! Voilà, il va se casser sous le bateau. Quoi? Mais non! Non, mais il faut qu'il aille partir. Non, t'inquiète pas. Non, c'est pas ça, c'est que moi, il me faut la caméra en face. Eh ben, vas-y, tourne le. Ah, passe pas dessous, c'est bon, c'est coupé. Ouais, c'est coupé, vas-y. C'est ça. Mais, non, non, non. Putain! Non. Oh là 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 là, c'est mort. Non, ah, non, c'est non, mort. C'est pas mort, c'est pas mort. Si, tu vois, ça tourne. Et la canne, elle est pétée, regarde. Ah ouais, mais c'est pas grave. Ah, on est vraiment... Ah, je suis poum. Et le pire, c'était quand même tout à l'heure. Ah, j'étais vraiment vénère tout à l'heure. Je te jure. Parce que... Ah, comment j'étais vénère. Tu sais, la dernière fois que j'ai dû être vénère comme ça, ça devait être en... Honnêtement, ça devait être quand j'étais en Guadeloupe, quand j'arrêtais, quand je loupais les snooks, là. Ah ouais. Ah là, j'étais vert aussi, là. Eh ben là, j'ai eu le même sentiment, là. Putain, mais merde. Pardon. Oh putain! Tu l'as vu celui-là comment il me l'a raté? Il me le rate à 1 mètre du bateau! Je suis vert! Quel con! Oh merde, décroché! 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 Vas-y, ramène, on repart sur la chasse! Ah, je suis fou! Il se décroche là! Il se décroche là, quoi! Je croyais que t'allais le tuer, moi! Eh mais oui, moi! Non, mais t'étais bien là-haut!
slip pas trop et mal. Et Lolo, derrière la caméra, il en a chié toute la journée. Là, on a fait 20 bornes. Le pauvre Laura, ok. Oh là, je suis vert. Allez, on descend parce que c'est pas le tout. On a fait tout ça. J'ai l'impression qu'on a fait tout le Cantal aujourd'hui. Et puis on en a chié. Tu vois, Laurent, il va. Dépêche-toi parce que là, s'il t'attrape, il bouffe. Ah, Lolo, on transpire. Lolo, il est derrière, là. Là, aujourd'hui, il en chie. C'est dur aujourd'hui. Hein. Je sais même pas s'il a fait un plan de la mouche. Hey, ah mais attends, je vais regarder l'émission. J'espère que tu as un plan d'une mouche qui dérive. Hein. Hey, Lolo, là, s'il me fait un beau poisson, on fait une conclusion de l'émission. Hein. Quoi qu'il en soit avec ce poisson-là. Hein. On fera du cinéma, mais... Je suis un peu énervé. Bon, c'est pas énervé, je suis un peu... Ah, ça fait partie du jeu. Et je crois même que j'ai mon waders qui fuit. En fin de journée, je crois que je sens un peu l'eau. Putain. Il y a des poissons là-dedans quand même, merde alors. Nom de Dieu. Il y a bien deux, trois poissons quand même. Va pas me dire qu'il n'y a rien là-dedans. Je suis fou sans déconner. Là, il y a forcément une truite là. Mais tu crois qu'il est pas complètement marteau ce temps aussi? Un coup il fait soleil, un coup il neige, un coup il pleut, un coup tu sais pas ce qu'il va faire. Et tout à l'heure il tombait de la grêle quand même. Ouais, carrément. Transition de la nuit. Donc un joli plan de lune de Monsieur Bounoir. Sur une idée originale de David Le Chénion. Donc droit d'auteur à 40-60. Je vois même pas si elle est nette. Si, elle est nette. C'est malheureux, hein, c'est de la vie. Magnifique, elle est superbe. Je vais vous présenter ma chambre pour ce soir. Alors là, vous avez... Tu penses à tirer tes bottes, David? Ouais. Ça, c'est le pied de la caméra. Et là, c'est notre chambre. Je sais pas si vous voyez. Je pense que là... Garde les bottes. Non. Elles sont même mes chaussettes à fleurs. Attends, c'est des Achilles. Mais les bottes, c'est bon, mes chaussettes. Je suis traité pour le sang, et à chaque fois qu'il me pince, ça me fait des pinces. Aïe! Tu me fais mal! Putain, oh là là, tu m'as échappé, Arrête! Serge? Ouais. Je crois que t'es avancé comme un champion, on est en train de te perdre là quand même. T'as vu la régulière? Eh, tu veux pas venir au cerf avec nous demain? Ah ouais, c'est où j'arrive. Hein. Arrête! Tu m'énerves! Tu m'énerves! Un bisou à David. Aïe, la vache! Une petite bourre de purée! Tu m'énerves! Moi, si on va te faire la console que t'as. Oh la vache! Oh la gueule! Oh, on est dans le brouillard! Ah la vache, j'y vois plus rien! Ah la gueule! Oh la gueule! Il n'y en a pas un qui peut m'éclairer là. Oh, j'y vois plus rien, regarde. Ils m'ont pris pour un grilladon. Regarde la gueule que j'ai. Et l'apéro, c'est du coca, je vous assure. Voilà, tiens, tu veux un apéro, ouais, c'est super, on a attrapé les grosses carpes. Quelle courte paille. Et hop, du coca-colac. Eh bien, demain soir, c'est en plein cœur du parc des Essais. Eh bien demain soir, c'est au beau milieu du parc des expositions de la Beaujoire que j'aurai le plaisir de vous retrouver. En effet, Sivan... Je te refais la même? Non, bah, elle est bonne. Eh bien, vendredi soir prochain à 19h30 sur Season, c'est au beau milieu des allées du... la semaine prochaine, vendredi soir... Nous allons donc arpenter les allées du salon, mais aussi profiter... Enfin, si je sais pas lire, tu le dis, hein, pauvre con. Nous allons donc arpenter les salles. Nous allons donc arpenter les allons du salon, mais aussi. Les allées du salon. Pourquoi? Les allons du salon. Ah merde. Merde. Alors on fait. Voilà, vas-y. Attends, mais il me fait faire les prises 15 fois. C'est pire en pire. 6 fois, 10 fois. Tiens, regarde. Regarde, voilà. Regarde. Regarde ça.
Tiens, regarde oh ça. T'as vu ça, il est venu le prendre juste au bord. Juste au bord. Oui, 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 oui. Ça y est, ouh, ça y est. Ouh, ouh, yes, ouh, papa, yes. C'est beau, ça. Ah, il est encore plus gros. Ah, c'est beau, ça. Waouh, ouais, aussi lui, regarde. Un non. Putain de brochet. Un gros brochet. Un big. Un gros brochet. Regarde oh, ça. Putain. Regarde le gros brochet. Regardez oh, ça. Putain. Oh, comment il est gros. Oh là, il est énorme. Oh là là, oh, regardez ça. On a oh, le fils de ma vie. Oh la vache. La et la caloche qu'il m'a mis. Tu l'as. Superbe. Tu l'as. Mouah. Regardez ça. Il est magnifique. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oh putain. Ah, mais il est reparti, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ah, je suis dans les branches, là, tu parles, c'est mort. C'est mort, putain. Oh, nom de Dieu, de bon Dieu, il est encore là, il est encore là, il est encore là. Il est encore là. Je sais pas comment je vais l'avoir. Regarde, il est là, il arrive, là. Regarde-le, 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 regarde-le. Vas-y, 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 hisse-le, hisse-le. Yes. T'as vu le testeur. Yes, 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 yes. Ah, je suis content. Ah, nom de Dieu. T'as vu ça. J'en prends toutes les semaines. Mais alors, celui-ci, il a un parfum particulier. Ah ouais, je suis complètement cinglé. Si vous saviez, si vous étiez abonné, vous seriez... Je suis complètement malade. Mais il le suit, hein. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Oh, c'est cher, il fait des images. Ha ! Auteur, réalisateur, compositeur, interprète et super épuisette avec Alizo et Philippe. Fin de tournage. Merci. Voilà, à la semaine prochaine. Je suis content. Putain que je suis content. Ouh. Après, on dit que j'en fais trop, mais là, je suis content, les copains. Eh bien, voilà, le bêtisier 2015 est maintenant terminé. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à voir ces images et à découvrir, en quelque sorte, un petit peu les coulisses de l'émission. En tous les cas, un grand merci à vous, une fois de plus, de nous rester fidèles chaque semaine. Toute l'équipe de Seasons Hebdo se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous, on se retrouvera début janvier pour la saison 5. On repartira sur le terrain, on ira découvrir d'autres territoires et faire de nouvelles rencontres. D'ici là, je vous laisse en compagnie des programmes de Seasons. N'oubliez pas notre site internet, c'est toujours le même, c'est www.seasons.fr. À bientôt. C'est beau. Fin de tournage, fini. Fini, terminé. Regardez la tête qu'il a. Le petit bonhomme en mousse. Le petit bonhomme en mousse. Là, j'ai tourné avec deux ours cette semaine sur Seasons Hebdo. Regardez ça. Les deux petits nounours. Ouh. Bon, on y va. Allez, tu coupes.